Ce n'est pas le silence qui me dira de me taire. Où que je sois, mon monde, c'est moi qui le construis et le remplis. Je n'ai pas fait tout ce long voyage pour venir échouer dans cet espace sans vie. Je suis, comme on dit, un personnage spécial, pas commun du tout. Je suis Dumo, un homme d'affaires aux affaires prospères. Toute ma vie sur terre, j'ai lutté contre la facilité, l'oisiveté, la prostitution. J'ai épousé 7 femmes, seulement en entendant dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes. J'aurais pu faire plus, mais la semaine n'a que 7 jours. J'ai construit des villas à 23 concubines pour les sortir de la rue, de la prédation du vice et de la misère. J'ai mis certains amants de mes femmes en prison. Rien qu'en prison. Bon Dieu, si c'était toi, tu les aurais envoyés tout droit en enfer. Tu vois bien, bon Dieu, que je suis ton fils, l'unique que tu devrais apprécier et aimer par ses actes. Alors, ne me laisse pas dans ce vide où le silence mystifié me met dans l'incertitude et l'insécurité. Je suis perdu et même désorienté. Fais gaffe, bon Dieu. Trouve-moi une place au ciel ou au paradis si c'est différent. Sinon, nomme-moi Seigneur et Maître du Purgatoire. J'aurais pu te demander de m'asseoir directement à ta droite. Mais pour le moment, je laisse la place au premier occupant. Comment ai-je pu quitter cette terre sans prendre un peu de mes biens pour montrer qui je suis ici? Je veux mourir de tout, pas de la solitude et du silence. S'il te plaît, annule les confessions que j'ai faites sur terre de mes péchés, je les revendique. Je m'appelle Dumo, l'homme qui a fait sa course sur ton territoire. Chaque jour, chaque matin, je violais au moins 3 commandements de Dieu avant le petit déjeuner. J'ai suivi les doctrines de Dieu et non Dieu lui-même. J'ai tué 17 de mes collaborateurs pour avoir leur part dans les entreprises. J'ai commis l'adultère chaque jour que Dieu a créé avec chaque fois une nouvelle femme. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, Satan, pour que tu m'aimes et me respectes? Voici mon dernier souffle. Je n'aime pas le vide. Je déteste le silence. Alors cette pièce, elle était très intéressante, très philosophique, très profonde et très métaphorique. C'est la fin. C'est le mot de la fin.